Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Razumat, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la suite de Paper Mario Origami King, épisode 26. Et si j'ai bien calculé, on est le 31 août. Et vu qu'on est le 31 août, pour vous demain, c'est peut-être la rentrée si jamais la rentrée n'a pas été annulée grâce au Covid-19. Donc, à voir, écoutez. Hein. Oula. Je vous ai coupé du coup un bout du combat parce qu'il y avait un moment où il y avait un énorme bug graphique du coup. Bon là il y en a toujours mais moins. Donc voilà. Oui du coup, normalement si mes calculs sont bons, nous sommes le 31 août au moment où cette vidéo sort et donc pour vous, vous avez peut-être la rentrée. Et du coup ce qui est drôle c'est que vu que moi je tourne cette vidéo vachement à l'avance, bah du coup soit en fait mon mois actuel va se foutre de la gueule de mois du futur. Donc c'est à dire là maintenant si jamais moi du futur à la rentrée parce que c'est pas annulé, sauf que si jamais la rentrée se fait annuler, bah là c'est plutôt mon mois du futur qui se fout de la gueule du mois actuel. Parce que bah du coup il y a pas de rentrée. Je sais c'est un peu le bordel. Mais bon voilà. Ah. Mais comment ils sont entrés là? Ah. Plagiat Color Splash. Ah ouais, chaud! Genre, c'est de l'huile? Enfin, de l'essence? Le pauvre, il crame. Ah bah, il est mort brûlé. Putain, c'est un peu horrible quand même. Aïe! Foiré. Aïe. Putain, ça en fait des dégâts cette zone, bordel. Voilà. Voilà. Non, il va trop vite. Putain. Voilà. Ah ah. Oh, magnifique. De la vie. 50 de vie. Alors, est-ce qu'on peut entrer là-dedans par je ne sais quel moyen? Non. Non. Nous ne pouvons pas. Il n'y a que dalle ici, bordel. En tout cas, vous ne vous inquiétez pas. Oula, ça rame. Même s'il y a la rentrée, je continue les vidéos sur ce jeu. Ce n'est pas un problème pour moi. Simplement parce que ces vidéos-là sont tournées en avance. Il y a même de fortes chances que je finisse ce let's play avant même que, avant même août. Donc ça va. Oh, il y a de la thune par là. Non. Ouf. Alors, attendez. Voilà. Mais pourquoi? Il n'y a plus de feu, là. On peut se reposer, là. Même le mort. Ici, je... Bah oui. D'accord, on peut se reposer ici, tranquillou, pas de soucis. Si tu veux, mec. Hein. Hop. Non. Je suis si mauvais, mais si mauvais. Oh là là. Oh. Une fleur de glace, qu'est-ce que c'est approprié? C'en est presque mignon. Oh oh oh. Tiens d'ailleurs, en parlant... Non, ta gueule. Chut. Est-ce que j'ai au moins toutes mes armes équipées? Si... Si ce menu veut bien décider d'arrêter de ramer la mort, ça me ferait plaisir. Bien. Ouais, si c'est équipé. Ouais, par contre, ici, il va falloir que je rééquipe bientôt. Hein. Putain, tous ces trucs que j'ai en vrai. Je suis putain de pété de thunes. Aïe.
Ah. Tu fais comment si t'as plus de confettis ici? Mais ah, mais pourquoi je brûle? Faut que je me soigne. Faut que je me heal. Voilà. Heureusement qu'ils ont mis un banc ici. Ça aurait été si rageant sinon. En même temps, le feu devient invisible à un moment. Donc, bon, voilà, hein, je suis pas magicien non plus. Hein. Ok. Voilà. Magnifique. Magnifique. Je vais quand même heal. Non, ta gueule. Chut, chut, chut. Parce que des fois, je confonds X et Y. Donc, bon. Ah, un point de sauvegarde. C'est si mignon. Alors. Hop. Cassons tout les pots tel un Link sauvage. Voilà, en fait je vais re-sauvegarder maintenant. Voilà, bien. 7000 balles. Ah, encore? Putain, c'est pas possible. Il y en a combien? Aïe, bande de bâtards. Quoi? Qu'est-il? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh no. Ah d'accord, ok. Du coup, ils crament tous et ils vont tous crever. Bien. Magnifique. Ah. Donne-moi donc ces confettis et ce cœur. Et allons-nous-en. Ah, des confettis. Toujours plus de confettis. Ah. Ah, ça fait beaucoup de feu. J'aimerais bien survivre, s'il vous plaît. Ah, 1000 pièces encore. C'est bien, je me refais vite. Moi, je suis content, hein, mais bon, niveau équilibre, c'est pas ouf, quoi, du coup. Alors pour le trésor, c'est définitivement sûr qu'il faut aller là-bas. Voilà. Exactement. Je me demandais si je pouvais l'ouvrir avec le frère Pyro par-dessus, mais non. On peut pas, bizarrement. Bizarrement. Alors. Hop là. On va y aller à grand coup de marteau chatoyant. Voilà. Et probablement mon dernier coup avec ce marteau-là. Quoi? Ah merde, mais oui, je suis complètement con. Je suis complètement débile, c'est fou ça. Ah merde, j'ai mal joué. J'ai même très mal joué. Bon, pas grave. Il est pas hors service ce marteau-là. Et ben, botte de fer chatoyante. Même si j'aimerais bien les garder pour les splits de feu. Bien. Est-ce que les bottes de fer brillantes tout court, ça passe? Oui, ça passe même largement. 690, magnifique. Ah bah voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Une fleur de feu brille, une fleur de feu
Brillante, mais qui s'appelle juste Fleur de Feu. Ah, et on a tous les mini-trésors de la zone. C'est magnifique, ça. Est-ce qu'il manque d'autres choses dans cette zone? Si le menu veut bien charger. Crypte du feu, il nous manque des trous et des blocs. Bien. Bien, bien, bien. Oh putain. Non! Chier. Ah. Je suis trop puissant. Magnifique. 14 minutes 52. Enfin, pour moi, pas pour vous. Sauvegarde. Ça pue le boss. Logique en même temps. Alors, du coup, ok, ou que le boss. Ouais, c'est clairement le boss. Alors, attendez. Je vais en profiter pour mieux m'équiper. Alors, déjà, on va faire ça. On va également, histoire de prévoir, faire ça et ça. Et bien évidemment, faire ça et ça. Voilà. Et comme ça, on est bien équipé. J'ai combien de champs? Non, ta gueule, ta chute. Chute. On a 17 champis, donc c'est parfait. Et voilà. Attendez, parce que quand j'ai sauvegardé, j'étais pas heal. Voilà. Magnifique. Alors. Ouais, c'est clairement une arène de combat, ça. Du coup, c'est quoi? C'est de l'essence, du pétrole? C'est quoi ce liquide noir? De la peinture noire, peut-être? Tu as entendu ce bruit? Non. Ah! Salut! Eh, en vrai, il est classe! Il est hyper stylé! Par contre, ça n'a pas beaucoup de sens. Normalement, on le fait censé faire des dégâts critiques aux ennemis de papier. Là, que ce soit un origami ou du papier, ça change rien, hein. Ça reste du papier de base. Les origamis, c'est du papier plié. Hein. Donc il devrait un petit peu être en train de cramer. Bon, il est en train de cramer techniquement, mais il devrait genre être en train de mourir. Putain, c'est sulfurant en fait. C'est l'esprit du feu, ça ne fait aucun doute. C'est vraiment une créature magnifique, regarde comme il arrive à produire ses belles flammes sans se brûler. Ah, ses plumes brûlent un peu, quoi. Mais le pauvre a été origamisé, il faut l'aider à retrouver son état normal. Eh bien, aidons-le à retrouver son état normal. Excusez-moi. Il est tard. Ouais, t'as vu ses ailes? Elles sont immenses! Et puis cette allure! Toute l'élégance d'un esplit! Regarde comme il brûle d'envie de nous affronter! Il est tout feu, tout flamme. Il a surtout envie de nous buter. Et du coup, on fait quoi, Mario? Bah, faut lui balancer des fleurs de glace. Alors, faisons donc ce que toute personne logique ferait, à savoir ceci. Qu'est-ce qu'il va faire si je lui fais ça? Est-ce que du coup ça va l'éteindre et comme ça après je peux le frapper à grands coups de botte d'or? Ah mais non, mais je suis complètement con. J'avais oublié qu'il volait. Et du coup là je vais me cramer. Ouais. Même ne protège pas, bah oui. Pas une autre pierre un peu plus solide. Ah j'ai celle de fer quoi. Moi je pensais que celle d'or elle marchait quand même mieux que celle de fer, non? Plumage ardent. Ouf. Ça quand il a perdu ses plumes, ses PV ont baissé. Je crois qu'il s'est... Ah ah! Il va falloir lui dégager ses plumes. Ses énormes plumes de bolosse.
Attention, un plume enflammé au sol. Non! J'ai oublié que j'avais que 3. Que 3. Ouf, ça fait bobo ça quand même. Mais du coup, à la fin, il aura juste plus de plumes. C'est complètement con. Ah, mais là, je peux plus rien faire. Il y a une plume sur chaque. Ou alors, peut-être qu'avec un peu de chance, j'ai moyen de faire genre ça. Et puis de me heal quand même à la fin, tu vois. Il y a quoi là-dedans? Oh! Alors là, mon gars. Alors du coup, objet, et on va se heal. Magnifique. Ah, attendez, je pense que j'ai pigé. Vas-y, fous tes plumes de sale gueux partout là. Alerte, alarme, attention, si tu n'éteins pas vite les plumes. Bah oui, justement. Regarde le génie. Voilà. Magie. Esprit de l'eau. Pouf. Et voilà. Putain, le pauvre, il est tout mouillé. Bien sûr, bah oui. Maintenant, l'esprit n'est plus en feu. Exactement. Du coup, je vais pouvoir faire ça. Ça. Et ça. Comme ça, d'une part, je me heal. Et d'une autre part, et d'autre part, je vais lui geler le cul. Voilà. C'est tout. Choqué, déçu. Il se renflamme pas? Même pas. Choqué, déçu. Non. Eh bah, on va lui niquer sa race. Ah, mais je peux pas lui niquer sa race. Ah, mais si, je dois pouvoir faire comme ça, tiens. Vas-y. Va lui niquer sa race. À coup de cercle de pouvoir, à coup de bras multipliés. Agrippé. Ah! Voilà. Ah, il peut renflammer ses plumes. Merde. Quoi? Oh le bâtard! Oh l'enfoiré! Oh le bâtard! Alors lui! Ouh, qu'est-ce qu'il va m'énerver? Eh ben on va faire ça. Et ouais, on va partir là-dessus. Juste pour ce heal. Ok.
Alors, du coup, je propose d'essayer de l'attaquer avec les. Comment? Avec les bottes de fer, voir si ça change quelque chose. On va essayer. Ah, bottes de fer chatoyantes, hein, quitte à y aller, autant y aller. Et puis, pour la deuxième attaque, je vais juste me heal en fait. Alors, est-ce que les bottes de fer résistent au feu? Oui! Mais c'est magnifique ça! Alors, du coup, comment je peux faire pour les casser, ces plumes surtout? Alors attendez. J'ai resté là-dessus pour le moment. Ah d'accord, c'est juste des pièces ça. Et on va l'attaquer à coup de botte chatoyante. Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais ça lui en fait quand même quoi. Et puis comme ça, en fait, ça fait tomber ses plumes. Et après, il y a, comme ça fait beaucoup de plumes au sol et après, je peux toutes les éteindre d'un coup. Exactement. Donc, hop. Voilà, sans même prendre de dégâts. Plouf! Alors du coup, quand est-ce que je dois les faire là tout de suite maintenant ou mes bras multipliés? Ou est-ce que ça marchera pas? Là. Allez, il va rappeler ses plumes et il va tout soigner. Peut-être qu'on arrache toutes ses plumes d'un seul. Mais c'est pas possible! Ah ouais, bah si alors dans ce cas. Bah du coup dans ce cas. Voilà. On va se heal à coup de champi brillant là parce qu'on a plus de vie. Merde. Bah du coup en fait faut attendre qu'il ait jeté toutes ses plumes avant de les éteindre alors. Parce que tout à l'heure l'autre con elle disait éteins maintenant parce que éteins-les maintenant sinon tu pourras juste plus rien faire sans te cramer la gueule. Donc bah moi c'est ce que j'ai fait. Alors. Ah, ou peut-être que je peux faire les bras multipliés maintenant. Comme ça lui enlève plein de plumes. Exactement. Super. On ne peut pas. Yes.
Mais du coup, je piche pas. Alors, attends, on va essayer d'obtenir une des lettres. Voilà. Ouf, des pièces de sang. Alors, utilisez les bras multipliés au bon moment pour venir à bout une seule fois, sinon il se régénérera furieux. Ouais, donc faut juste attendre qu'il dégage toutes ces merdes, quoi. Du coup, faut que je l'attaque moi-même. Genre, faut que je fasse tout tomber. Et après, quand tout est tombé, je lui fais le coup de flotte et puis les bras multipliés. Et puis ça devrait aller, comme ça. Oula. Qu'est-ce que tu me fais, Windows? Bah, on va faire ça, écoutez. Alors, quand même, faire le on par avance. Et du coup, hop. Aïe. Bien, bah, botte de fer chatoyante. Vu qu'il faut tout lui faire tomber. Bien. C'est parfaitement disposé comme ça. Hop, et ici. Coffre, voilà. Parfait, comme ça je peux l'attaquer deux fois de suite, cet enfoiré. J'ai pas mis maintenant, hein. Il me reste pas mal de vie. Donc je m'y irai plus tard. Oula. Magnifique. Allez, souffle. C'est bon? T'en as assez droppé ou t'as besoin d'en mettre encore plus? Il est fou. Mais il est fou. Il est fou cet oiseau. Allez, je pense genre, allez, une attaque et c'est bon. Ah, si, hein. Jouons la prudence. Une attaque et après je fais la flotte. Et voilà, zéro parce qu'il a plus de plumes. Non, il va pas les rappeler. Est-ce qu'on parle bizarrement? Non, je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Reviens, attends. Exactement. Allez, vite, vite, vite. Parfait. Cercle de pouvoir activé. Force bleue. Magie. Espli contre espli. Voilà. Voilà ce que j'ai fait à ton feu, enfoiré. Parfait. Magnifique.
Et là, maintenant, je peux. Plumé. Voilà. Oh, c'est horrible. On lui a arraché les cheveux. Enfin, les cheveux. La crête du dessus. Oh là, c'est horrible. Mais au moins, on a gagné. Allez, bam, 2500 pièces. Ah, ben voilà. Oh, le pauvre. On lui a arraché les plumes. On l'a plumé. C'est littéralement, c'était écrit. Hein. C'était écrit A, plumé. Et bam. Ah, le voilà, le codex de l'esprit du feu. Allez, codex Ignis. Comme ignite en anglais qui veut dire allumer dans le sens allumer du feu, quoi. Oula, ça va être chaud, c'est correctement du premier coup celui-là, surtout au niveau des ailes. C'est drôle, ça va être chaud. Qu'est-ce qu'on se marre au canard. Magie. Ah, je vois qu'il y a cette petite animation, j'ai vraiment peur que les particules aillent pas dans le cercle, mais dans Mario. Genre, tu vois, c'est Olivia qui lit le truc et le pouvoir va à Mario. Bon, je crois que je vois à peu près comment faire. Souhaite-moi bonne chance. Elle va encore faire sa gamine, je la vois du premier coup. Je la vois dès le début, là. À 10 km. Allez. Magie. Pliage. En oiseau magnifique qui brûle. Putain, c'est beaucoup trop classe, beaucoup trop stylé. Il est super bien fait cet oiseau. Oh là là. La voix va pas du tout avec l'oiseau par contre. Oula, merde, ça frise. Je ne sais pas si c'est le stress qui m'a donné des brûlures d'estomac, mais. Je sens un feu brûler en moi. Bah, peut-être parce que t'es littéralement en train de brûler. Alors, qu'est-ce qu'elle va casser encore? Au moins, elle peut voler, c'est trop bien. Ouf. Ah ouais. Bah putain. Il est un peu bouillant l'escalier là, non? Bref. Et c'est où qu'on avait vu un cercle de l'esprit du feu? Alors, c'était dans une des tours Todd, non? Il est tout rouge. Ça a l'air juste essayer de libérer, voilà ce que j'ai fait. Ouais, ces oiseaux apprécient le spectacle, ils sont enflammés aussi. C'est pas des oiseaux en fait, je t'explique, c'est du carton, c'est un décor. C'est pas des oiseaux. Et genre, dans un temple, il y a genre ce qu'on appelle des pierres. Bon là du coup c'est pas des pierres, c'est du carton dans leur Paper Mario, mais voilà quoi. Donc bref, c'est un décor, c'est pas des vrais. Et ça l'a fait marrer le petit le mini téléphérique oiseau de feu. Quel enfant, mais quelle gamine. Et du temps, j'aurais peut-être dû les accompagner. Ok, un professeur n'a rien à faire dans un temple plein de pièges. Ah, le bâtard, donc qui sait que c'est plein de pièges? Ah, je me disais bien aussi qu'il était suspect cet endroit. Professeur, nous sommes de retour. Ah, quel soulagement, je crois. Moi aussi, je vais changer de carrière. Ah merde, c'était pas voulu ça. Mais au moins ça nous fait aller plus vite. Il reste là les yeux fermés. Quoi? Mais pourquoi? Ah. Et pas de quoi, on a rencontré l'esprit du feu. Et même que c'était un oiseau géant. J'ai reçu son pouvoir, c'est moi qui suis devenu un oiseau géant. Mais ouais, bien moi aussi j'ai vécu une chose passionnante en restant ici pour votre gouverne. Ah bon? Si, je voulais tout savoir, j'ai même transpiré tellement bien que j'ai dû m'essorer au moins deux fois. Il a fait inutile de comparer nos expériences. Je sais que je suis heureux d'apprendre que Victor vous a donné des ailes. C'est drôle ça dit donc, t'as bouffé un clown. Allez, sortons d'ici. Sous-garde. Ça aussi, ça voulait bien ne pas planter. On a 38 minutes, donc on va s'arrêter là. Oui. Bon, en tout cas, nous, du coup, on va s'arrêter là. Merci à tous de regarder la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis moi, du coup, je vous dis à la prochaine, à plus. Et bonne rentrée si jamais c'est la rentrée. À plus.